travaille ici à Gare de Lyon. Du coup, ouais, hier j'étais au concert de Fally, c'était Tocos. Mais ça, c'est pas bien, on n'est pas content avec tout ça. On n'est pas content, moi je travaille là et bon, mais pour ça, l'équipe filée, c'est pas bien, on est tous des Congolais, on est ensemble, faut. Je comprends rien avec notre histoire, franchement. On est désolé, on est vraiment désolé. On est vraiment désolé. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Ouais, on est. Moi je travaille là à Gare de Lyon et je suis pas content de voir tout ça. C'est nos frères congolais, ils ont fait hier, donc on n'est pas content. Hier j'étais à la, j'étais au concert de Fally. C'était bien, mais hein, on est. Voir ça, c'est pas bien pour notre communauté. C'est pas bien. Et ça fait mal au cœur. Est-ce que vous pensez, vous pensez que. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné aussi Fally a cherché le bras de fer avec les combattants, mais c'est pour ça que les combattants ont agi ainsi. Est-ce que vous pensez que la réaction de Fally et pendant de Fally Poupa était aussi normale vis-à-vis de ses frères congolais? Là du coup je sais pas, avec des problèmes de Fally avec les combattants. Fally toujours il a dit il faut parler, il faut. Selon moi il a toujours voulu parler avec ses frères. Mais. Pour moi, il y a des rancunes, il y a des problèmes en dehors de politique là. Ça, c'est la jalousie pour moi. C'est la jalousie. Donc, il y a d'autres personnes qui disent qu'il fallait les riches maintenant, et il ne faut pas jouer, il faut laisser nous en galère ici. Lui, prendre la... Donc, c'est. Je suis désolé. Je suis désolé avec ça. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, madame. Bonsoir, madame. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir vos impressions par rapport à ce qui s'est passé ici à la gare? Dès que vous voyez tout ça. Les voitures brûlées et tout ça, est-ce que vous savez ce qui s'est passé réellement? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hier soir, j'ai fait heureusement non, c'est une ligne ici. Je trouve les portes pour la sortie est fermée, je ne sais pas ce qui se passe, mais juste maintenant, je suis très choqué en quelque chose comme ça. Comment vous les qualifiez en fait, c'est ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Peut-être un mot aux politiciens? Non. Et aux manifestants? Ouais, je sais pas. Et c'est juste qu'hier soir, j'ai fait correspondant à la ligne RERA pour prendre l'autre ligne. Et je trouve toute la gare est fermée, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe exactement, je ne sais pas. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, nous sommes à Paris, à la gare de Lyon. Je veux juste avoir les impressions des Français par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Selon les estimations, ils disent qu'il y a plus de 200 motos brûlées. Effectivement, il y a des motos brûlées, il y a des voitures, il y a même une partie de la gare de Lyon qui est touchée. Alors, on ne sait pas trop, on essaye d'avoir des impressions de quelques Français. Bonsoir, monsieur, un micro. J'ai pas le temps, désolé. Ah, j'ai pas le temps. Bonsoir, excusez-moi, juste vos impressions, par rapport à ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Bonsoir, madame. On peut avoir vos impressions, madame? Même pas. Ok. Je peux pas te donner l'impression, c'est. Ah, d'accord. Alors, bon, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, ça, c'est. On est bien aux stations. Gare de Lyon. C'est la bus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous étiez là hier? Oui, mais matin, j'étais pas là au moment où ça brûlait. Ça brûlait, vous étiez là ce matin. Est-ce que vous pouvez avoir vos impressions à la caméra? Oh non, pas la caméra, monsieur. Vous pouvez parler comme ça, on ne vous voit pas. Je vous disais, vos impressions par rapport à ce qui s'est passé hier, vu. Moi, je trouve ça un petit peu stupide, tout simplement. Parce que là, la plupart des scooters, ça n'a rien à voir avec les revendications des gens qui sont venus brûler tout ça. Donc, bon, c'est un peu stupide. Après, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec un parti politique parce qu'il était question de ça, apparemment. Mais de là à brûler tout comme ça, non. Est-ce qu'il est normal que les politiciens soutiennent un musicien congolais qui va se produire à Paris? Parce qu'en fait, les Congolais disent qu'il y a génocide au Congo, il y a plus de 15 millions de morts, personne n'en parle, silence total, et la France influence. C'est la même chose. Moi, je dois rester neutre dans le cadre de mon travail, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais bon, il y a plein de choses sur Terre qui ne sont absolument pas normales.
sans doute pas pour rien qu'il y ait autant de peuples qui se révoltent un peu partout sur Terre. Et demain, si un musicien français, un musicien congolais veut se produire encore en France, vous croyez qu'on risque d'avoir encore le même dégât comme hier soir? Bah, j'espère pas, c'est un peu dommage. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, le monsieur était là pour faire son concert, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. De rien, bonne fin de journée. Bonsoir monsieur, vos impressions s'il vous plaît, par rapport à ce qui s'est passé hier soir ici à la Gare de Lyon, tout est brûlé, il y a un musicien qui s'est produit hier soir au Bercy, les Congolais ont contesté, ont dit non, stop au concert parce qu'on viole, on tue au Congo. Oui, c'est juste, c'est regrettable, c'est le seul mot que nous avons à dire. Le concert, on n'y était pas, mais on sait que Fanny c'est un grand artiste, c'est une star, mais je pense que pour faire de pareilles choses, c'est pas bien l'image de l'artiste et de l'Africain même. Voilà. Merci beaucoup. Force et courage. Bon, allez, sinon, merci. Hein, alors, bah, on continue. Bonsoir, monsieur. Vos impressions, s'il vous plaît, par rapport à tout ce que vous filmez, vous prenez en photo? Ouais, bah franchement c'est un peu désolant, c'est dommage pour les gens qui avaient des choses ici quoi. Après, je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient des choses à revendiquer. Alors ceux qui ont revendiqué, on dit que la France est impliquée aux affaires du Congo, parce que le ministre de l'Intérieur français a dit que le musicien congolais allait se produire, alors que les Congolais disent... Vous savez, moi et la politique, ça fait deux, moi. Pour moi c'est un monde au-dessus, ils sont ailleurs. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un moto? Vous avez une moto brûlée aussi? Pardon? Est-ce que votre moto est brûlée? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, possible d'avoir vos impressions par rapport à ce qui s'est passé hier soir? Quoi? Alors, si c'était votre moto qui était brûlée, qu'allez-vous dire? Votre scooter, bien sûr, votre scooter. Moi, ça allait pas nous plaire parce que c'est la galère. C'est pas bon ce qu'ils ont fait. Ça, ils sont payeurs, c'est pas bon. C'est ça de moi. Est-ce que vous étiez hier soir sur place? Hein? Est-ce que vous étiez là? Non, hier soir, moi, j'étais pas là. Vous l'avez suivi comment? Et j'ai vu sur le Snap des gens avec le Facebook. Et que faites-vous là? Hein? Que faites-vous ici? Non, là, je vais juste accompagner mon rendez-vous avec quelqu'un ici. Merci beaucoup. Voilà, comme je disais que. Vous voyez ce qui s'est passé? Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé ici. Nous sommes à la gare de Lyon. À la gare de Lyon. C'est un bazazou. À Lille, hein. Voilà, donc nous sommes demain à la gare de Lyon. Demain à la gare de Lyon. Donc les gens viennent quand même, hein. Les gens viennent. Excusez-moi, bonsoir monsieur, vous parlez français? C'est possible d'avoir vos impressions par rapport à tout ce que vous voyez. Vous êtes anglophone? Oui. Alors, ça vous dit quoi de voir tout ça en France aujourd'hui, ce qui s'est passé hier soir? Je ne comprends pas. Vous devez parler lentement. Ah, d'accord, je dois parler lentement. Je disais, vos impressions par rapport à ça que vous voyez en face c'est de incroyable. Vous. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous n'êtes pas au courant. C'est merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur, c'est oui? possible d'avoir vos impressions par rapport aux émeutes hier soir, ce qui s'est passé C'est dégueulasse. C'est incroyable de s'en prendre comme ça à des gens qui vont travailler et qui, quelque part, ils veulent reprendre leur objet, leur scooter, et puis il n'y a plus rien à cause de certains imbéciles, une poignée d'imbéciles.